Mercure rétrograde dans le signe du Bélier. Alors ici, l'individu dans le premier signe du zodiaque a une soif de compréhension qui le pousse à travers les qualités martiennes donc et cardinales du signe du Bélier à chercher à revoir le côté rudimentaire de son développement aussi bien mental que son développement tout court. Mais celui-ci date des incarnations passées. Donc tous les processus mentaux, sensoriels, ne sont là que pour refléter ses désirs, qui sont presque des désirs enfantins, de prouver qu'il a des compétences mentales. Alors c'est un natif qui peut manquer de patience, son jugement est souvent pauvre, car sa pensée est trop soudaine, trop impulsive, elle n'est pas encore installée. Donc ça fait des natifs qui sont très souvent décalés dans le temps lorsqu'ils s'adressent aux gens. Cependant, ils peuvent devenir, cela dit, de brillants orateurs qui apprécient le défi d'une stimulation mentale, d'une rapidité, et cela leur permet de prouver leur valeur, même si les raisons de qu'ils pourraient avoir au fond d'eux de se sentir médiocres n'appartiennent pas à cette vie et ne viennent pas de cette incarnation, ce sont des mémoires qu'ils portent. Donc ils vont s'interroger sans cesse sur des qualités qu'ils ont aux yeux du monde et ils vont lutter pour prouver qu'ils sont capables d'affronter les défis de leur passé. Mais tout cela va se passer inconsciemment, bien sûr. Alors il est intéressant d'observer que ceux dont ils désiraient peut-être la compréhension, finalement, finissent par sortir de son cadre de vie. Donc finalement, c'est pas si important que ça pour lui. Et Mercure rétrograde, lorsqu'il est en Bélier maison 3, par exemple, c'est plus un individu qui dirigerait sa conscience dans le passé pour revivre une expérience qu'il a déjà vécue. Donc c'est pour cette raison que cet individu déteste se répéter et se plaint de devoir vivre dans un monde qui perd toute chance de stimulation intellectuelle. Il est toujours en train de reconsidérer en fait des actes qui sont eux-mêmes révolus. Voilà, il ressasse beaucoup de choses et c'est comme si il était conscient qu'on ne lui donnait pas le droit à une nouvelle chance et qu'il répétait le passé. Voilà pour Mercure rétrograde en Bélier.